Salut les gaufrettes! Nous languissions de vous retrouver pour cette nouvelle session. Oui, une session particulière aujourd'hui. Nous allons bien entendu vous partager une recette. Même deux recettes. Mais vous présenter également un commerce qu'on adore. Ça s'appelle Auvrac, c'est situé à Vitrolles dans les Bouches-du-Rhône. Restez avec nous jusqu'à la fin, on vous parle plus en détail de ce super magasin. Dans lequel nous avons fait nos courses pour les recettes d'aujourd'hui. Découvrons-les ensemble avec le jeu de mercredi. On se lave les mains et... Direction cuisine! Pour le pain, il faudra 12 g de levure boulangère fraîche, 300 g d'eau, 200 g de farine de blé plus un peu pour la cocotte, 300 g de farine d'épeautre et une cuillère à café de sel. Dans le bol, je verse l'eau et mets la levure. Je programme 2 minutes, 37 degrés, vitesse 2. J'ajoute la farine de blé, la farine d'épeautre, le sel et je pétris 7 minutes en fonction épis. Je transvase la pâte sur un plan. Je ramène les bords vers le centre et forme une boule. Je la dépose dans un saladier recouvert d'un torchon et ça part en pousse pendant 1h30. Pendant la pousse, la pâte ne doit pas recevoir de courant d'air. Tu peux la laisser pousser dans ton four éteint. Je dégaze la pâte, puis forme à nouveau une belle boule. Je la dépose dans la cocotte farinée et ça retourne en pousse pendant 45 minutes. Je grigne la surface de la boule. Je place le lèche-frites rempli d'eau dans le bas du four. Ça part au four préchauffé à 240 degrés pendant 15 minutes. Puis 15 minutes à 200 degrés. Pour le houmous, il faudra 2 gousses d'ail, 250 g de pois chiches cuits, 40 g d'huile de sésame, 40 g d'huile d'olive, 50 g de jus de citron, une cuillère à café de sel, une cuillère à café de paprika, une pincée de poivre de cayenne. Dans le bol, je hache les gousses d'ail 5 secondes vitesse 5. Je racle les parois et ajoute les pois chiches, l'huile de sésame, l'huile d'olive, le jus de citron, le sel, le paprika et le poivre. Je mixe 1 minute, vitesse 6. Deux recettes faciles et rapides avec des ingrédients achetés au Vrac Vitrolles. Alors, qu'est-ce que ce magasin de si particulier, Maëlys ? C'est bio, c'est local et c'est en vrac. Et le vrac propose deux avantages. Pas d'emballage, donc moins de pollution. Et on n'achète vraiment que la quantité dont on a besoin. Ce magasin propose tout un tas de produits. Regardez. Et bien d'autres produits. Allez rendre visite à Eric qui vous réservera un accueil très chaleureux comme à son habitude. Retrouvez tous les liens de ce magasin dans la barre d'infos. Il est temps pour nous de vous quitter. On se retrouve comme d'habitude dans 2 semaines. Avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner et liker sans modération. Gros bisous. À bientôt dans une prochaine vidéo.